Salut! Alors, ceci est une vidéo prise avec mon téléphone parce que j'ai voulu ressortir ma caméra et il se trouve qu'avec toutes les mises à jour, en fait, je ne sais plus importer de vidéos depuis ma caméra, ce qui est hyper frustrant. Donc, j'espère que la qualité ne sera pas sera acceptable. C'est une vidéo complètement improvisée que je fais ici pour faire une annonce assez rapide. J'ai mis en ligne les épisodes du voyage de Shaun et de la colère de Shaun sur Spotify. Et c'est quand je le dis que l'écran de veille s'anime. Donc j'ai sorti mon petit MacBook, comme ça vous voyez que la playlist existe en podcast. Et je mettrai le lien en description. J'annonce également que j'ai changé le jour de diffusion, c'était vendredi. Maintenant je l'ai passé à dimanche. Pour une raison toute simple, c'est qu'en fait on m'a dit que ça marchait mieux le dimanche. Je ne sais pas si c'est vrai, on verra bien. Voilà. En fait, pourquoi est-ce que je mets sur Spotify? Bah, c'est une explication assez simple, hein. De nos jours, beaucoup de gens n'ont plus spécialement le temps d'aller sur YouTube. En plus, la fiction audio, bah, ça ne marche pas sur YouTube. Ça n'a jamais vraiment marché, à part les quelques fictions audio qui sont vraiment en place, hein, style Nihilbuck, Reflet Acide, La Légende de Xanta et autres. Donc du coup, ben, je trouve des nouvelles plateformes pour me faire connaître, ce qui a fait reconnaître mon travail. Autant la première saison, j'ai pas fait beaucoup de publicité parce que je voulais vraiment voir l'effet qu'un tel changement aurait sur les vues. Bon, ben, ça a dégringolé, mais ça c'était tout à fait normal, c'était attendu. Autant pour la saison 2, ben, déjà merci à tous ceux qui sont restés et qui sont encore là et qui regardent la saison 2. Mais je constate que ça descend encore et en fait... Sans vouloir me plaindre ou tenter de retrouver une visibilité YouTube que j'ai eue à l'époque de Lien dans le plafond, c'est pas vraiment le but. Mais bah, j'ai quand même passé 3 ans à bosser cette saison 2. Et donc bah, je cherche tous les moyens possibles, imaginables, pour bien sûr faire mon travail. Alors, si je sais que tous les YouTubeurs le disent, je ne me considère plus vraiment comme un YouTubeur, mais faut bien le dire, si vous avez envie de partager, si vous avez envie de m'encourager, dans cette création et de me donner la possibilité de faire peut-être encore mieux pour la suite, bah, ça ne passe que par une seule chose, hein, c'est le partage en fait. C'est en se faisant connaître qu'on peut attirer, en tout cas plus facilement interpeller des gens qui voudront après participer au projet pour le rendre encore meilleur. Ça n'a pas menti pour la saison 2. J'ai des amis qui ont vu enfin, qui ont entendu la saison 1 et qui ont dit: Ah, c'est cool, moi je vais participer pour la suite. Et donc, du coup, la saison 2 a, je pense, je trouve, monté en qualité. Après, c'est à vous de me dire si vous trouvez, oui, ça monte en qualité ou non, c'est toujours c'est sur le même niveau, ça c'est à vous de me dire. Mais c'est clair que une visibilité permettra d'avoir des choses encore mieux par la suite et. Je n'ai pas pour but d'arrêter toute activité YouTube. Je veux continuer à produire des choses. Même si une grosse pause de 3 ans pourrait avoir fait croire le contraire, je tiens à vous le dire maintenant, je n'ai pas... Ce n'est pas il y a 6 mois que je me suis réveillé en me disant, tiens, si je faisais une suite? Non, en fait, j'ai commencé la saison 2 alors que la saison 1 n'était même pas encore diffusée. Je veux déjà vous dire que j'ai déjà écrit et déjà commencé à travailler pour autre chose. J'en donnerai plus de précisions par après. Voilà, je crois que j'ai plus grand-chose d'autre à dire, si ce n'est que je vais ressortir un facecam, même si je déteste ça. Je déteste faire les facecams, je crois que ça se voit, je suis pas à l'aise et je bafouille, je mange mes mots. Mais il faut bien faire sa communication. Donc je vais refaire un facecam à la fin de la diffusion de la saison 2, dans laquelle ben, j'annoncerai, comme la saison 1, que je peux vous envoyer les épisodes par mail. Mais non, je ne vous enverrai pas toute la saison avant qu'elle soit entièrement diffusée sur YouTube, évidemment. Et je ferai également un facecam pour parler plus en détail de la saison 2. Mais voilà, le message de cette vidéo aussi, c'est sur Spotify. Vous pouvez écouter en voiture, en rue, en vous baladant, sans gaspiller trop de data. Et vous pouvez partager à des amis qui n'ont pas envie de traîner sur YouTube, mais qui ont des longs trajets en train et qui, du coup, pourraient parfaitement aller sur Spotify. Voilà, sur ce, ciao. Vous verrez ma main approcher du bouton stop de mon téléphone pour faire stop.